Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la période des Trois Glorieuses et de Charles X qui perd son pouvoir en seulement 3 jours. Les Trois Glorieuses, en 1830, sont 3 jours très importants pour la deuxième révolution française, la révolution de juillet. Tout d'abord, Charles X est un roi de France né à Versailles le 9 octobre 1757 et mort le 6 novembre 1836. C'est le 4e fils de Louis de France. Les 3 jours des Trois Glorieuses sont le 27, le 28 et le 29 juillet 1830. Après de nombreuses agitations ministérielles, journalistiques et parlementaires, le 25 juillet 1830, Charles X tente de freiner ces agitations par force, ce qui a créé une très grande révolte parisienne. Les libéraux, les orléanistes, les bonapartistes et les républicains se sont affrontés contre l'armée du royaume de France dans les rues de Paris. Le 26 juillet était le jour du début de la révolte. Puis du 27 au 29 juillet, la bataille a eu lieu. Le 30 juillet, Charles X perd son pouvoir. Et le 31 juillet, Louis-Philippe arrive. C'était un combat entre environ 20 000 et 30 000 hommes qui combattaient contre l'armée française contenant environ 8 000 hommes, commandée par Charles X, Louis de France et le maréchal Marmont. Ces combats font uniquement 163 morts et 578 blessés chez les soldats du royaume français, tandis que chez les insurgés, il y a eu 788 morts et 4500 blessés. Malgré les soldats français qui ont eu beaucoup moins de pertes que les insurgés, Charles X et la famille royale prennent fuite et s'en vont de Paris en quelques jours, ce qui entraîne la victoire des libéraux, des orléanistes, des bonapartistes et des républicains contre le royaume de France. La fin du pouvoir de Charles X et les débuts de la monarchie de Juillet, qui est le régime politique en France entre 1830 et 1848 après les Trois Glorieuses. Les députés libéraux prennent en main la révolution populaire et ils optent pour une monarchie constitutionnelle plus libérale.